Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver encore une fois sur votre capsule littéraire du daylib.ma. Le livre que je voudrais vous proposer aujourd'hui est Chanson douce de Leïla Slimani aux éditions Gallimard. C'est pas n'importe quel livre, vous le devinez, je n'ai rien à vous apprendre. Il a eu le prix Goncourt 2016. A priori, c'est l'histoire d'un couple et de tous les couples qui nous entourent. Meryem et Paul ont deux enfants, Mila et Adam, et après s'être occupée de ses enfants, Meryem veut reprendre sa carrière d'avocate. Ils font un casting très sévère et engagent une nounou, Louise. Louise est la fée du logis. En plus de s'occuper des enfants, elle fait le ménage, elle prépare à manger et elle conquiert très rapidement l'affection des enfants. Donc forcément, se crée une interdépendance. Et c'est avec brio que Leïla Slimani analyse ce rapport entre les employeurs et l'employé. Où mettre les fils rouges? Elle fait en même temps partie de la famille et en même temps ils l'ont engagée. Et c'est avec finesse qu'elle analyse ses sentiments. Dès la première page, le lecteur sait qu'un crime abominable va avoir lieu. Le suspense est créé dès la première page. Les parents sont hors jeu. On a envie de les secouer. Le lecteur participe à l'histoire. C'est une histoire pétrifiante au rythme haletant qui happe le lecteur que déroule Leïla Slimani dans Chanson douce. Je vous souhaite une très bonne lecture et à notre prochain rendez-vous littéraire.